J'ai connu Pitaya avec mon associé au Salon de la Franchise. Nous souhaitions nous diversifier dans notre activité. Et en parcourant le Salon de la Franchise, on a vu ce beau concept de Pitaya. Nous avons choisi Pitaya pour son concept innovant, un beau concept qui plaît aux clients. D'ailleurs, au Salon de la Franchise, on pouvait voir la foule autour du stand de Pitaya. On aime le côté healthy qu'apportent les plats Pitaya et la nouveauté des plats proposés. Alors, Pitaya nous a accompagnés du début à la fin. D'ailleurs, aujourd'hui, le jour de l'ouverture, on a encore trois personnes de l'équipe Pitaya. On a été accompagné sur la recherche d'emplacement, on nous a aidé dans la négociation, sur la partie juridique du contrat, dans la partie aménagement et conception du projet. Ensuite, on a eu des points tout au long des travaux jusqu'à l'ouverture où on a été aussi accompagné pour la formation de nos équipes. Et pour la semaine d'ouverture, on est accompagné pour la mise en place et pour l'ouverture aux clients. Je dirais que Pitaya est une enseigne de destination pour nos clients. N'empêche qu'il faut avoir un emplacement numéro 1 avec un fort flux piéton pour s'assurer un bon chiffre d'affaires. Deuxièmement, ne pas négliger la formation de notre personnel. C'est vraiment important d'arriver à une ouverture avec un personnel formé, donc de bien accompagner les équipes jusqu'au bout. Et troisièmement, d'avoir le cœur accroché car l'ouverture c'est le rush, mais tout se passe très très bien, on est vraiment bien accompagné de Pitaya.